Voilà plus de 70 ans que l'équipe de France de basket n'avait pas réussi à terrasser les stars américaines. Les Bleus y sont parvenus ce mercredi en quart de finale du Mondial qui se dispute en Chine. Mis en confiance par l'absence des plus grosses stars NBA, les Français ont crânement joué leur chance à l'image de Rudy Gobert, insolent de réussite dans la raquette et auteur de 21 points. Le pivot des Jazz emmené dans son sillage, ses coéquipiers estampillés NBA, Evan Fournier, Frank Ntilikina ou Nando Decolo. L'équipe de France s'impose finalement 89-79 et obtient du même coup son billet pour les prochains Jeux Olympiques. Objectif désormais, un premier titre mondial qui passera par l'Argentine vendredi en demi-finale.